Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ma toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma 6e semaine de grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi, mes ressentis, mes résultats, mes examens, mes échographies, etc. Et on va parler également de quelques petites anecdotes et de ce fameux petit bébé à 6 semaines d'aménorrhée. Donc, à 6 semaines d'aménorrhée, votre bébé qu'on appellera du coup embryon, à ce stade-là, on appelle ça un petit embryon, a la forme d'un petit têtard, donc il a la tête, entre guillemets, avec encore la queue, il a à peine les petites écailles qui commencent à s'ouvrir, enfin, ça a vraiment la forme d'un têtard, et du coup, on appellera ça donc du coup embryon, et ça fait la taille d'une petite lentille. Voilà, donc c'est tout rikiki, et pourtant, même à ce stade-là, ça continue, entre guillemets, de nous faire augmenter notre taux d'hormone, et du coup, qui nous déclenche, bien sûr, les fameux symptômes. Qu'est-ce qui s'est passé pour ma part pour cette semaine? Donc déjà, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ma 5e semaine de grossesse, je vous invite du coup à la regarder avant celle-ci, hein. C'est mieux quand même d'avoir la suite chronologique des choses. Et voilà, je vous mets un petit i juste ici, n'hésitez pas à cliquer. Donc, à 6 semaines, pour ma part, j'ai eu beaucoup plus de nausées. Ça y a commencé vraiment à s'installer. Tous les jours, voilà, je mettais à peine un pied par terre. J'avais cette sensation d'avoir envie de vomir. En fait, dès que j'avais faim, dès que j'avais cette sensation de faim, j'avais envie de vomir. Voilà, vraiment le côté patraque, vous voyez, comme le début d'une petite gastro, on n'est tout pas bien. Bah voilà, un pied par terre, ça me faisait ça. Ça me faisait ça également vers 10h30, 11h, dès que j'ai l'estomac qui commençait à avoir faim. À midi, à 4h, etc. Moi, je n'avais pas vraiment que des nausées matinales, hein, c'était constant. Et vous verrez par la suite des vidéos que ça essaie de pire en pire, n'est-ce pas? Mais voilà, à ce stade-là, voilà, je sentais vraiment que ça y est, les nausées commençaient à s'installer. C'est très dur à gérer et c'est pour ça qu'ils recommandent beaucoup, quand vous avez des nausées comme ceci, de plutôt faire des petites fractions de repas que de manger des gros repas copieux comme on fait matin, midi, 4h, un petit truc et le soir. Voilà, le plus de manger en fractionné sur la journée, chose que je ne faisais pas parce que, comme vous le savez, je travaille dans le milieu médical et voilà, je peux pas me permettre de faire ça, hein. Je suis en horaire de poste, donc soit du matin, soit du soir. Et ça a été très compliqué à gérer et à cette semaine-là, je me suis dit, bon, ça commence, on est dedans. En plus de ça, du coup, la fatigue qui était déjà bien accumulée continuait. Hein, votre corps, c'est une machine, il est en train de produire un humain. Donc forcément, votre fatigue actuelle, plus d'avoir des enfants en bas âge, et quand même deux petites filles en bas âge, plus une maison, les trajets, etc. Voilà, je sentais que la fatigue était d'autant plus présente et j'avais 10 fois moins de patience. Je l'ai vraiment surligné sur mon cahier, patience, moins, moins, moins. J'avais pas de patience. Voilà, avec les filles, avec tout le monde, fallait pas m'enquiquiner cette semaine-là. Je sentais voilà, que j'étais pas bien, qu'il y avait plein de changements en moi et qu'il fallait me laisser tranquille. Je commençais également à être très sensible aux odeurs en plus, plus, plus. D'ailleurs, en petite anecdote, c'est vrai que j'étais très sensible aux odeurs de transpiration. C'est vrai que moi, c'est chiant, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, mais voilà, j'ai un nez, je sens tout, je sais pas, j'ai un nez surdéveloppé pour ça, pour plein de choses, pour les odeurs, mais voilà, je sens tout, et quand vous êtes enceinte, c'est encore pire. Alors, outre le fait qu'on y viendra, mais la semaine d'après, vous verrez, je sentais des odeurs encore plus approfondies que ça, et là, cette semaine-là, c'est vrai que c'était la transpiration, quoi. Je sentais les transpirations des gens très fortes. Même si vous aviez beau mettre 1 million de déo, je sentais la moindre odeur de transpiration. On se change dans un vestiaire, nous, tout ensemble, hein, au boulot. Et c'est vrai que, bah, voilà, après une bonne journée de travail, comme tout le monde, hein, ça sent un peu la transpiration, ce genre de choses. Et c'était vraiment compliqué à gérer ce genre d'odeur, de transpiration. Au niveau de mon corps, toujours un petit peu barbouillé, le ventre qui était toujours un petit peu, voilà, chanté que ça se travaillait. Et j'avais toujours ces pertes blanches, voilà, dans la culotte. Comme voilà, de début un peu bouchon, voilà, un peu crémeuse, voilà. J'avais toujours un petit peu, mais c'était quand même léger, hein. Mais voilà, je voyais quand même que ça travaillait au niveau de ce côté là et voilà, c'est tout ce que j'ai eu au niveau des gros symptômes pour ma part. Ensuite, du coup, cette semaine là et on a effectué du coup notre écho de datation. Donc c'est pas une écho qui est obligatoire, mais on la conseille quand même généralement. Vos médecins, du coup, généralement vous le disent, faites une écho de datation. C'est une échographie en fait qui est faite entre la 6e voire 7e semaine et jusqu'à, on va dire, les 10-11 semaines d'aménorrhée, parce qu'après du coup vous avez votre grosse écho du premier trimestre. Et c'est une échographie, je trouve quand même, qui est importante parce que ça nous rassure, nous en tant que parents, déjà de savoir si oui ou non il y a bien ce bébé qui est bien positionné, si vous n'êtes pas en train de faire une grossesse extra-utérine, s'il y a bien le cœur qui bat, même si on ne peut pas trop l'écouter à ce stade-là. C'est vrai qu'on voit généralement les battements à l'échographie, donc ça rassure toujours. Parce que du coup, cette échographie, vous ne le faites pas au niveau du ventre, hein, c'est une sonde du coup vaginale.
Donc bon, c'est pas très glamour, mais bon, honnêtement, ça rassure quand même malgré tout, voilà, de voir ce petit cœur comme ça. Et du coup aussi, bah, ça certifie qu'il y en ait un, pas deux, ou voire trois. Hein, voilà, ça certifie que vous avez eu une grossesse unique. Et voilà, moi je trouve que c'est assez important, c'est émouvant. Et puis je trouve que c'est vraiment le début du truc, quoi. Même si vous avez fait un test de grossesse, que vos examens ils vous disent c'est bon, tant que moi j'ai pas fait cette échographie là, je trouve qu'on a du mal à réaliser. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ouais, ça y est, maintenant c'est fait, tu vas à nouveau être maman et il y a un petit bébé en toi. Et voilà, on croise les doigts que tout se passe bien et que ça s'accroche. Et puis voilà, donc je vous la conseille. Hein. Faites cette échographie-là. Pour Léonie, on ne me l'avait pas du tout demandé ni prescrit. Donc du coup, je l'avais faite moi-même. Hein. J'avais pris rendez-vous chez une gynécologue. J'ai dit, voilà, ouais, je veux faire un écho de datation. Pour Maggie, on me l'avait demandé. Et pour bébé 3, du coup, on me l'avait préconisé également. Ensuite, donc du coup, pour clôturer cette vidéo, voilà, au niveau des trajets, je sentais aussi que, voilà, vu que les nausées étaient quand même assez présentes, j'ai quand même plus de 40-45 minutes de route des fois pour aller sur mon lieu de travail. Et en anecdote, je me souviens que quand je suis arrivée sur mon lieu de travail, du coup, un dimanche, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Limite, je me suis dit, je vais jamais terminer le trajet. Chanter, voilà, que j'avais vraiment envie de vomir, que ça montait, que ça montait, que ça montait. Je vous mettrai une petite vidéo d'incrustation parce que j'avais. Je sais pas si ça se dit vidéo d'incrustation. Vous incrusterez une vidéo, c'est mieux comme ça. Juste ici, du coup, j'avais pris une petite prise pour me souvenir, j'étais dans le mal. Hein. Franchement, j'étais blanche, je venais juste d'arriver, la voiture, ça me travaillait. De toute façon, pour mes 3 grossesses, je ne supporte pas la voiture. Et plus ça va, et pire c'est, voilà, dans les grossesses. Et là, vous voyez, je suis donc à plus de 5 mois et demi de grossesse. Et là, ça y est, hein, la voiture, j'ai du mal, même 20 minutes, c'est chaud, je sens que je suis pas bien, quoi. Donc voilà, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Prochaine étape, du coup, la 7e semaine de grossesse. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur ma 5e semaine de grossesse. Évitez peut-être, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, de regarder celle de mon premier trimestre global, puisque vous n'aurez pas les effets de surprise des petites semaines. Mais bon, après, si vous voulez une vidéo plus construite et voilà, où ça résume tout, regardez cette vidéo. Et puis, ben, en attendant, je vous dis à tout bientôt. Ciao.